Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo Fimo. Alors ça ne sera pas un tutoriel, pas encore parce que j'ai énormément de choses à faire avant. Mais on reste quand même sur le thème de la Fimo puisque je voulais vous faire un top et flop de version Fimo en fait, tout simplement. On en voit beaucoup en version maquillage, peut-être que j'en ferai en version maquillage, je ne sais pas. Faut que je vois ce que j'ai en top et flop parce que si j'ai quasiment rien à vous présenter, c'est pas intéressant. Mais voilà, je trouvais qu'en version Fimo ça pouvait changer un peu, c'était assez original et on n'y voit pas beaucoup sur les chaînes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Donc c'est un livre qui s'appelle Repas de fête en miniature. Je connais cette fille. Donc c'est Stéphanie Kilgast et vous savez c'est le site petitplat.fr, je vous mettrai son site en barre d'infos et elle vend ce livre. Alors elle l'a, c'est en deux versions ce livre là, il est en version anglais et français. Donc c'est assez intéressant parce que son site est plus axé sur l'anglais. Je crois qu'elle est française à la base cette dame et elle fait des choses magnifiques en tout petit vraiment mais de la vraie miniature. Et j'avais vu son livre déjà, juste la couverture est magnifique et je trouvais ça très intéressant, surtout l'approche des fêtes, voilà, d'avoir un petit mélange, surtout au niveau Halloween et Noël. Des fois on manque un peu d'idées ou alors c'est trop basique, genre Halloween tout le monde fait des citrouilles et Noël tout le monde fait des bûches. Voilà, moi je cherchais un petit peu quelque chose de plus inédit, voilà. Ça peut être intéressant, donc là elle vous explique un petit peu toutes les créations. Donc ce livre coûte je ne sais plus, il n'y a même pas le prix derrière, mais je l'avais pas payé très très cher, je crois que c'était aux alentours de 15 ou 16 euros, je ne sais plus exactement. Je vous mettrai le lien de là où vous pouvez acheter le livre en barre d'infos, donc vous aurez également son site en même temps. Donc dedans, comment ça se présente? Alors moi déjà la première page est juste, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra parce que les lumières sont pourries, il fait pas super beau, donc ça va être un peu nul, mais voilà, la première page est sublime. Elle a des mises en scène en plus, c'est pas seulement des bijoux, c'est vraiment, elle fait beaucoup plus de mises en scène que de bijoux. Donc cette fameuse Stéphanie Kilgast, c'est elle, je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet, voilà, donc c'est elle, c'est cette dame là et elle fait des choses vraiment sublimes. On dirait vraiment du vrai, vraiment. Donc elle vous explique tout, le matériel, la Fimo. Donc ça c'est vraiment un livre qu'on peut prendre aussi quand on est débutant, qu'on ne sait pas trop ce que c'est que la Fimo. Je reçois beaucoup de questions, quelle est la différence entre la Fimo Soft, la Fimo Effect, etc. Donc ça c'est vraiment un livre qui vous parle de tout, vous voyez, donc vous avez vraiment voilà, les différentes sortes de Fimo, qu'est-ce que la Fimo liquide, etc. Et vous avez aussi en version anglais, hein. tout est en deux versions, donc c'est plutôt pas mal, je trouvais ça intéressant pour les débutants. Beaucoup d'entre vous demandent à chaque fois où est-ce qu'on prend notre inspiration, où est-ce qu'on prend nos idées, comment créer de nouvelles choses, parce que bon, on voit un petit peu toujours tout pareil en Fimo. On a fait le tour des macarons, on a fait le tour des donuts et compagnie, alors on sèche au bout d'un moment. Moi-même ça m'est arrivé au bout d'un moment de plus avoir trop d'idées. Et en fait elle vous explique où prendre vos idées, donc là elle dit les marchés, les boulangeries, surtout au moment des fêtes. Je vais essayer de bien vous montrer les images. Voilà, donc c'est surtout au moment des fêtes, vous savez, quand vous avez des marchés un petit peu de Noël, il y a beaucoup de sucreries, de chocolat, de bonbons, de pain d'épices et de choses comme ça. Ensuite, deuxième top, il s'agit d'un moule que j'avais acheté il y a de cela très longtemps. Enfin très longtemps, c'était en début d'année, c'était à la foire de Lyon. Il y avait un stand qui vendait des moules de cuisine et il y avait des petits moules pour les chocolats et je suis tombée sur celui-ci. Donc je vais vous montrer peut-être l'autre côté, on verra mieux. Donc en fait vous avez trois sortes de motifs différents. Donc voilà les trois ici. Après c'est tout le long pareil, mais voilà, vous en avez trois différents. Et j'ai trouvé assez rigolo parce que ça m'a fait penser, en fait les motifs me font penser à une brioche, genre je crois que c'est Kougloff, c'est ça? Ces genres de brioches qui sortent à Noël. Et j'ai trouvé vraiment vraiment bien. Alors j'ai quand même testé parce que si je vois le moule et que je dis c'est un top, ça ne veut rien dire. Donc j'ai quand même testé et j'avais testé ces moules là en faisant une petite création. Donc la voici. Et franchement, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que la lumière est naze.
mais franchement les détails ressortent très très bien. Le moule est nickel, c'est tout en silicone, donc ça c'est vraiment pratique. Par exemple, si vous voulez faire de la résine, que vous êtes plus dans la résine, c'est tout à fait possible avec ce moule. Le seul bémol, c'est que comme tout moule en silicone, il prend beaucoup la poussière, donc faites attention quand vous faites des créations, surtout de la résine, parce qu'une fois la résine dans le moule, vous ne pouvez plus en enlever, nettoyer, c'est fini quoi, la poussière sera incrustée dedans. Donc je vous conseille de passer un petit coup de lingette ou d'eau tout simplement dans le moule histoire d'enlever la poussière. Parce que moi je ne l'ai pas fait et je sais pas si vous voyez mais il y a, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a de la poussière, moi qui ai des poils de chat en plus parce que oui, bah oui, des chats forcément, voilà. Je pense que toutes celles qui ont des chats, voire même des chiens connaissent ce phénomène. Et pourtant le moule est fermé dans un tiroir, mais le tiroir a un petit trou donc il suffit que la poussière s'y mette et... Et c'est fini, donc ce moule là je sais plus combien je l'avais payé, je crois que c'était quand même pas donné parce que la foire de Lyon pour celles qui connaissent c'est quand même assez cher, les prix sont assez élevés là-bas, ils en profitent. Donc je crois que je l'avais payé 7 ou 8 euros, donc c'était vraiment pas donné. Je pense qu'on en trouve des moins chers sur internet, mais bon j'avais envie de prendre celui-ci, j'ai pas envie d'aller rechercher, surtout que c'est quand même un motif assez, enfin que j'ai encore jamais vu ailleurs. Donc voilà, j'avais pas envie de m'embêter à chercher sur internet un moule qui était pas, quasiment pareil que celui-ci. Donc voilà, donc je peux pas vous mettre de lien. C'est marqué Silicomart. Je peux pas vous dire vraiment où acheter ce genre de moule. J'essaierai en tout cas de fouiller sur internet si je peux le retrouver sur un site internet le même. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si jamais il n'y a pas le lien, c'est que j'ai pas réussi à retrouver. À trouver un site qui vend le même. Bon, franchement, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Voilà, ensuite, un autre top, c'est un rangement. Un rangement à ruban, puisque avant, je pense que quand on débute en FIMO, on achète du matériel de rangement qui est vraiment pas mal, et puis quand on accumule la force du matériel, le problème c'est qu'on n'a plus de rangement et que les rangements deviennent petits. Trop petit et il faut tout de suite agrandir et changer ça. Donc mes rubans c'était la catastrophe, c'était tout emmêlé, c'était dans une boîte classique, c'était tout emmêlé, je voyais plus ce que j'avais plus, c'était une catastrophe. Donc j'ai opté pour ce genre de choses, donc vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est un... je sais pas trop comment on appelle ça en fait, c'est un genre de casier à ruban. Je crois que je l'avais acheté sur eBay celui-ci, donc pareil, j'essaierai de le retrouver. Mais comme ça fait longtemps que je l'ai, je suis pas sûre de retrouver... Bon, j'essaierai en tout cas. Il me semble que je l'avais acheté sur eBay, mais je suis plus très sûre. Et en fait, vous enroulez tout... Alors ça, c'est vraiment le gros travail fastidieux, parce que moi, j'ai mis plusieurs jours à le faire. J'ai pas tout fait d'un coup, mais en fait, je vais l'ouvrir pour que vous compreniez. Quand... Ouais, je trouve un truc. Quand vous recevez... Quand vous recevez cette boîte, vous avez ça avec. Donc c'est un espèce, on verra mieux comme ça. C'est un espèce de truc en plastique tout simple où vous allez enrouler votre ruban tout autour pour donner, alors je donne un exemple avec un ruban, pour donner ce genre de choses. Voilà, donc là c'est du ruban blanc. Et après, donc vous épinglez avec une petite épingle comme j'ai fait ici. Et ça bouge plus et vous en mettez je sais pas combien par case, enfin moi j'en ai plein. Alors après un seul rangement n'est peut-être pas suffisant si vous avez beaucoup de rubans. Moi j'en avais pas mal et ça tient pile poil. J'ai un casier qui est un petit peu vide mais ça tient pile poil et ça ferme juste. Donc si jamais j'agrandis ma collection de rubans, il faudra que j'en prenne un autre. Mais c'est vrai que ça gagne déjà de la place, donc ça se ferme pas super bien très franchement. Parce qu'en fait il y a juste un petit truc ici qui se clippe. Je sais pas si... Voilà, mais sinon, vu que moi, c'est un peu bourré, ça se soulève. Je sais pas si vous allez voir, ça se soulève ici et ici, tout simplement, parce que, voilà, c'est bourré et que des fois, le ruban dépasse un peu, donc ça tasse. Mais voilà, c'est vrai que ça gagne quand même de la place, parce qu'avant, j'avais une grosse boîte de rangement, et là, j'ai un truc plat, et je vois vraiment ce que j'ai. Ça, c'est vraiment le top, c'est que c'est vraiment transparent. Donc, je vois ce que j'ai. En top, toujours, j'ai... Alors, ça va être lourd... J'ai ce faux sucre là, rose, donc c'est un rose, ça ressort pas super en caméra, punaise, la prochaine fois je vais me mettre dehors sous la pluie, hein. Il fait pas beau, c'est pour ça que je m'étais mis dedans, mais... En fait c'est un rose, comment vous dire, vous voyez les Tagada Pink, et eh ben, c'est un peu la même chose. Et comme ça m'y a fait penser, je me dis tiens, faudrait que je fasse des Tagada Pink en tutoriel ou quelque chose comme ça.
Et j'avais... Donc c'est pour ça que j'avais pris, parce que je dis tiens, ça m'y fait tellement penser que je vais en prendre. Donc c'est en fait du sable décoratif, ce que vous trouvez en magasin de décoration. Moi je l'ai trouvé dans une jardinerie. Voilà, tout simplement, tout bêtement, animalerie, jardinerie. Vous avez un coin un petit peu déco, bougie, etc. Ça se trouve là-dedans. Ça peut faire aussi office de bougie. Enfin vous savez ce qu'on met des fois dans les bougies, au fond. Ça peut faire plein de choses. Mais voilà, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et j'avais payé ça, je crois, 9 euros. Ça reste quand même correct, sachant que quand on va sur les sites comme Little Market ou Little Mercery et qu'on voit le prix de genre, je sais pas, 5 grammes de faux sucre, c'est beaucoup plus cher que si vous prenez ça, qui fait combien en grammes? Mystère. Ce n'est point marqué, mais je pense que ça doit faire... 1 kilo, c'est lourd, hein, je vous le dis tout de suite. J'essaye de comparer par rapport à mes chats, mais alors comme mes chats sont 4 fois plus lourds, moi je pense qu'on doit faire proche d'un kilo, enfin vous en avez quand même beaucoup, et c'est beaucoup plus économique d'en prendre dans un gros format comme ça, qui va, je pense, me durer toute ma vie, vu la quantité. Donc, je pense que ce sera quand même... J'essaye de regarder, mais non, c'est pas normal qu'il n'y ait pas le poids de marqué quand même. Enfin bref, donc ça se trouve dans les magasins de décoration, même sur internet vous en trouvez, mais bon, pourquoi payer des frais de port pour ce genre de choses? Vous en trouvez facilement, voilà, jardinerie. Et il y en a beaucoup de couleurs. J'en ai aussi, j'en ai en turquoise, j'en ai en marron, j'en ai en pas mal de couleurs, parce que c'est pas cher, parce que c'est joli, que dans le temps ça vieillit bien, que ça ne décolore pas, j'avais testé déjà, et ça a vraiment la texture sucre en fait, ça fait vraiment des grains... des grains de sucre, et c'est vraiment intéressant, et puis c'est pratique, le rangement en pot, voilà, rien à dire. Les derniers tops, il s'agit de peintures pour vitrail, donc j'en ai deux, hop, comme ceci, donc je crois que c'est pas la même marque, ça. Non, j'en ai deux de chez PBO, donc c'est de la peinture vitrail que j'avais pris pour faire une crème brûlée. Je sais pas si je ferai le tuto parce que c'est le même, donc je vais pas le faire parce que bon, on va me dire que je copie. Je vous envoie donc sur la chaîne de Monde Fimo. Je crois qu'elle a changé, je crois que c'est le Petit Atelier maintenant, quelque chose comme ça, et elle fait le tutoriel d'une crème brûlée hyper simple mais en même temps très réaliste, et elle utilise tout simplement de la peinture vitrail, donc un jaune et un plus chocolat. Et j'ai trouvé vraiment pas bête son truc, parce que je cherchais déjà à en faire, et j'avais testé avec de la fimo, j'avais testé avec de la peinture, avec de la pastel sec, et j'ai jamais trouvé l'effet que je voulais. Et en fait j'avais jamais pensé à utiliser de la peinture vitrail, tout simplement parce que je n'en utilise pas à la base. Donc c'est vrai qu'elle a trouvé une très bonne idée, donc je ne ferai pas le tutoriel parce que ça va être la même chose et que c'est ridicule de faire la même chose qu'elle, sachant qu'elle l'a fait en premier, donc j'ai pas envie d'être accusée de plagiat ou quoi que ce soit. Donc je vous renvoie sur sa chaîne, dans la même catégorie, toujours de la peinture vitrail de chez Le Frambourgeois, donc c'est la même marque que les peintures 3D, je cherche la déco 3D, voilà c'est ça, c'est la même marque, donc Le Frambourgeois. Et celui-ci c'est un rouge, alors le seul point négatif c'est l'odeur de ces trucs-là. Mais bon, on s'y fait, et en fait c'est un rouge qui me fait penser à du sang, je suis un peu bizarre. Je montre le bouchon parce que sinon vous allez rien voir dans le pot. Donc voilà, donc c'est liquide, hein, et ça me fait vraiment penser à du sang. Et en fait ça, celui-là je m'en sers pour les pommes d'amour. Le premier flop, c'est de la poudre à embosser. Donc la poudre à embosser, c'est quoi? C'est une... Alors, je sais pas exactement à quoi ça sert, je sais que ça gonfle sous l'effet de la chaleur. À quoi ça sert, je ne sais pas, mais je sais que ça gonfle sous l'effet de la chaleur. Et en fimo, on s'en sert notamment pour l'effet faux sucre. Enfin, moi je m'en sers pour l'effet faux sucre, parce que comme vous avez pu voir, le sable rose que je vous ai présenté, ça fait sucre. Mais quand on veut, genre, faire un effet sucre fin, en fait, je sais pas comment... ouais, du sucre en poudre, quoi. Et bah c'est trop gros encore, donc il faut un calibre un petit peu plus petit en termes de sucre. Et la seule poudre que j'ai trouvée qui ressemble, c'est la poudre embossée. Donc celle-ci vient de chez Cultura et c'est la marque... Bah c'est la marque Aladdin, je pense. Je ne sais pas. Donc je pense que c'est ça. C'est la marque Aladdin. Et pourquoi c'est un flop? Alors je l'ai quand même bien
l'utiliser. J'ai voulu voir sur plusieurs créations. J'avais une commande récemment de coussins de lion. Pour celles qui sont de Lyon, vous connaissez les chocolats voisins. La spécialité de voisins, c'est le coussin de lion. Et dessus, il y a une file pellicule de sucre, en fait, qui est dessus et qui est un petit peu transparent. Vous allez comprendre pourquoi c'est un flop. Je l'ai donc utilisé pour faire cette création-là. Et quand je l'applique, c'est nickel chrome et en séchant, ça devient blanc. Donc, alors, je vous montre quand même que je me suis pas trompée, que j'ai bien pris transparent, que je me suis vraiment pas trompée dans l'achat du truc, donc c'est bien transparent. Transparent vernis. Alors, vernis, on n'y voit pas du tout. Moi, je sais pas ce qu'ils appellent vernis. Moi, j'ai pas vu que c'était vernis, j'ai pas vu que ça avait un effet un peu glossy, mais rien du tout. Et transparent, encore moins. Voilà, donc transparent, c'est absolument pas transparent. Quand ça sèche, c'est blanc. Flop. Et je sais plus combien j'ai payé ça, mais ça coûtait quand même assez cher. Et le dernier flop, et donc le dernier truc à vous montrer, il s'agit d'un moule que j'avais commandé, je crois, à la petite épicerie. Si je ne me trompe pas, il va quand même falloir que je regarde. Donc j'avais commandé à la petite épicerie, donc il s'agit d'un moule en fait avec des... je sais pas si vous allez peut-être mieux voir comme ça. Avec des bases de cupcakes, de tartes, à différentes formes. Donc là, vous avez la partie ovale, la partie ronde. Et je trouvais super intéressant d'avoir déjà plusieurs formes, plusieurs tailles. Et le gros problème, c'est que c'est un moule qui ne se démoule pas. J'ai testé avec plusieurs techniques. J'ai testé la technique du talc, une catastrophe. J'ai testé la technique du film transparent. Donc vous mettez un film transparent, vous mettez votre pâte, normalement ça devrait se démouler. C'est une catastrophe pour moi aussi. Et puis j'ai testé là-bas la technique simple de mettre sa pâte et voilà, et de démouler. Mais le problème c'est que c'est... voilà. Voilà le problème. C'est que c'est absolument pas souple. C'est très très dur, c'est du plastique comme on a des fois... je sais pas si vous voyez ces emballages des fois que vous avez... dans quoi je pourrais mettre ça? Pour celles qui achètent des mascaras, vous voyez cet emballage plastique qui est archi dur à enlever, sur lequel vous vous griffez, sur lequel vous vous coupez, vous vous acharnez pour l'ouvrir. Vous voyez cet emballage plastique qui est très dur et qui peut être coupant. Et ben c'est exactement le même. Et donc pour démouler là-dedans, non. C'est vraiment pas possible de démouler quelque chose là-dedans. J'ai testé plusieurs techniques, je me suis dit c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est dommage. Parce que le résultat, j'ai vraiment pas pu voir le résultat parce que à force, quand on le démoule, ça déforme tout. Parce qu'on le démoule vraiment mal. Et je suis vraiment dégoûtée parce qu'en plus il n'était pas donné. Il me semble que c'est sur la petite épicerie, mais je suis plus très très sûre de moi. J'essaierai de vous retrouver le truc, mais ouais, je suis vraiment déçue de ce moule quoi. C'est dommage, voilà, donc il faut vraiment qu'ils changent leur moule. Mais pourquoi avoir mis un truc en plastique? Pourquoi? Pourquoi? Il y a du silicone, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour démouler et là ils nous font un truc... Bref, flop. Voilà pour cette vidéo qui a duré un petit temps, j'espère que ça n'a pas été trop trop long pour vous. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, que je fasse des tops et flops version Fimo, ça paraît intéressant quand même. Voilà, donc dites-moi si vous avez des idées de vidéos, de tutoriels, tout ce qui vous passe par la tête, je suis à l'écoute de tout, je réponds aux commentaires. Je vous mets également le lien de ma page Facebook où vous pouvez me rejoindre, où je poste régulièrement des petites choses. En ce moment c'est un petit peu calme parce que je fais autre chose à côté, donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais j'essaye d'être là quand même sur Facebook, je réponds en tout cas, j'essaye de répondre à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées un petit peu pour les fêtes qui approchent à grands pas finalement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!